ma carte grise à l'urine noire pour jaunir ce petit bouffon. Le noir sert comme carte noire, comme si j'étais une mine à charbon pour ce battle. Et elle m'a dit que j'avais carte blanche, que je pouvais faire chauffer sa carte bleue pour l'enfermer entre quatre planches. Je dis que j'arriverais en carte bleue et que j'allais le grailler comme s'il était entre quatre tranches. Bref, j'ai accepté ce battle pour faire plaisir à leurs gars. Je vais essayer de tout donner pour vous faire plaisir à leurs gars. Mes potes m'ont dit, si tu prends ce battle à leur gagne, je leur ai dit tranquille les gars. Je battle un mec qui reconnaît les hommes à leur pagne. Maintenant, regarde sur les spines, ce mec là est laid. On dirait qu'il sort d'un Picasso, Pablo. On sait tous que t'aimes bien la bite, Pablo. Pourtant, t'es un bandeur de cité. T'aurais trop aimé avoir la vie de Pablo. Mais t'as la vie de château, t'as l'air vite chaton. Ce mec là, dès qu'une meuf regarde son profil, il a la vie de chaton. Pourtant, c'est un petit gay qui adore se faire fourrer. Il a la vie de chapon, il aime aussi se faire siffler. Pour ça qu'il adore la bite de chaperon. Donc avec moi, ose pas être ton car. J'ai fumé comme un joint bien chargé. Et Dieu t'es comme ton car. Tu dis que tu fais ta route dans le peur, mais t'es qu'un raconteur. Si tu fais ta route en bus, j'espère que c'est un manche au trisomique, fan d'opéra qui est au volant de ton car. Ta musique c'est nul à chier. Tu fais du rap conscient mais t'as pas de vécu. T'aurais trop aimé être ce mec pauvre qui n'a pas d'écu. T'as aussi essayé l'ego trip mais t'as pas de vrai cul. Tu crois que quand tu prends le Nico l'ego trip, moi je dis juste que quand tu prends le micro c'est claqué et que les M6 voient leur ego triple. Ce soir, je te tape dessus, ouais, je te kickbox. Je te montre c'est kill boss en mode kill bitch, te kill bitch. Et t'as la PlayStation, entre toi et moi, y'a un putain de canyon. Quand tu kicks, on dirait que t'es bourré. Genre t'es un de ces gars des fêtes de Bayonne, tu mériterais que je te baïonne. Tu traînes pas dans des baïonnettes. Si je te plante, c'est pas avec un couteau, mais avec une baïonnette. Ce mec là, il a pas d'enfant, mais tous les soirs, il va devant l'école avec une camionnette. Les petites filles lui disent mais non, lui il leur dit mais c'est comme Lionel. Ensuite, les petites gamines filment Ice, faire le guignol et fister des gamines comme des marionnettes. Et après ça, Ice, tu t'autoprogrammes le roi du battle. Moi je vais mettre fin à ce règne. Tu sais que dans ce monde c'est les culs qui dirigent. Yo, les Asrange, je le frappe, je les arsène, je le harcèle. Tellement fort qu'il repartira avec mon accent de Marseille, de la Seine. En coulisses au RC Sud, tu m'as dit que tu faisais ton shit à la gloire de ton père. Alors, me fais pas ta tête des pagnoles, Marcel, time. Je suis actuellement en pleine visite de l'inspiration du battle actuellement. Je baise le battle face cam et tout ce qui y ressemble. Ces gars incapables de parfois 12 piges qui sentent un peu trop l'élite, qui écrivent rien d'un peu trop technique et qui pensent les battles MC pouvoir tous finir sans. Je suis le dieu de la classe mais ces engrages crames ils vont finir cendre. J'attache leurs entrailles à ma taille, ils vont finir sangle. Je les slice grave, je mets leur cri dans la prod de mon prochain single, ils vont finir sample. Regarde-moi et vois que tu peux avoir un flow d'art sans le voler. Remarque, je te suis déjà reconnaissant car contrairement aux autres putes, tu clashes sans troller. Tu sais comment je sais que les roues ont une âme, je vois déjà la tienne commencer à s'envoler. Bah ouais, je suis là, il battle les panneaux, même si t'as essayé. Parce que tu défiles pas devant Ice à partir du moment où il a décidé qu'il allait te saigner. On te connaît à te voir, tu devais être occupé à faire des soirées beau faire asseoir en chantant les lacs du Connemara. Et maintenant que tu connais Mara, je viens pas dire que tu connais ma dar. Dans ce milieu j'écris un tout nouveau testament et tu peux pas annuler ta propre mort même si t'en connais la date. Parce que je vais te noyer comme le Titanic, pourtant tu vois pas l'écume. J'ai paralysé les gava que j'ai battle et comme eux tu vas finir dans le bac à légumes. Maintenant tu comprends sans voix, ça se voit que t'as commencé le battle parce que t'avais pas confiance en toi. Et quand j'aurais fait tomber la carotte dans les pommes, t'auras pas de conscience en toi. T'es dans la kill cam, tu viens d'arriver dans ce bisga. Moi j'y suis apparu lentement comme la mousse de King K ou 1000 grammes de plus dans l'as de Kim K. Tu fais le type fiable qu'un avis v'la tranché. Un conseil dans la rue, reste pas seul. T'as dit que le disque de Pelka c'était un flop, mais dedans y'a une prod de mon gars Pinkman. Alors ferme ta gueule, tu kick mal. T'es un gars qui a masse flow sans lettres. On dirait que t'essaies de suivre la prod, mais la prod te bat au 100 mètres. T'es déboussolé quand y'a un fond sonore et c'est con, entendre ton flow et ça stick. Dans les deux sens du terme, on peut dire que tu dois beaucoup à PH, vu comment ton flow est basique. Pendant que je prends des futurs classiques, ce teubé il passe. T'essaies de donner des ordres à l'ASIC, mais t'obéis pas. Un conseil, fais pas de gosse, tu ferais si mal par an. Je m'en bats la race du foot, mais puisque tu vois une passion, dis-toi qu'il n'y a pas de remontada si à 6 à 40. Fais pas le mec nerveux, yo, t'es timide en coulisses. Tu suces tellement de bites qu'à l'intérieur t'as le coulisse. Ice, fais pas le mec cool ici, tu t'es crucifié, genre incisif en me trouvant 2-3 vis, genre tu me crucifies. Mais c'est ce que fait l'homme à tous les mecs dans le futur qui portent leurs couilles et se mettent pas sur les reculs. Et moi, je suis tellement dans le futur que t'es pas dans mon rétro mais dans ma caméra de recul. Puis tu crois que tu m'épates, mais dans ma carrière, gros, tu n'es qu'une étape. Je vais te faire vieillir, changer d'époque. Je vais t'envoyer tellement loin dans le passé que pour me contacter, gros, tu vas m'envoyer d'époque. Bouffon, tu vis des aides et des allocs. Moi, je travaille et je cotise pour toi, salope.
Alors pour ton prochain clip, range le drapeau DZ et ta lock. Sinon je te retrouve, je te fracasse et tu retournes à l'état de lock. Et je fais ce que je veux parce que quelque part je paye pour toi, donc t'es plus ma pute que ma salope. Puis ce soir, Ice Rim, t'es un congelé. Tu pensais prendre ce battle, mais t'es congelé. Ton flow il est pas chaud, non, il est congelé. Je te le jette à la gueule, ça te fera un or gelé. La médaille d'or, gelée. Toi ta médaille d'or, gelée. Elle doit se peler quand elle va performer comme le roi Pelé. Faut que je termine ce round parce que j'ai promis à ta meuf de la rappeler. Retourne faire les backcards comme un cocktail pas cher. Soir je vais faire une boucherie comme dans l'hyper cachère. Apparemment t'aimes les fêtes, bah ça tombe bien parce que ce soir c'est la fête des mecs qui ont pas de père. Bouffon, t'as aucune street cred. Tu crois que les battle MC te craignent, mais les battle MC te plaignent. Tu dis que t'es une lumière et que tu fuck le système. Pourtant ça te dérange pas de recevoir les aides de la CAF pour pas que tes lumières s'éteignent. T'es qu'un putain de pion de la société. Même si tu te convaincs du contraire, tu suis pour acquérir de la notoriété et remplir une salle de concert. Mais c'est pas la bonne manière de procéder. Tes fans c'est une fanbase mensongère. Jamais un concert d'Aïch n'affichera complet. Tu seras jamais un de nos confrères parce qu'on aime pas les fils de pute qui payent pour percer. Si t'étais l'homme que tu décris, t'aurais donné des sous à ta mère avant de t'acheter de la drogue et des sapes pour clipper tes sons qui puent la merde. Donc j'irai pas que t'es une grosse pute. J'irai juste que t'es bien fils de ta mère. Time. Avant de commencer le round, je parlerai pas de tes adversaires parce que je connais pas les autres. Mais dis-moi, t'es certain de vouloir te faire violer par Ésope? 641, même si j'ai rien dit entre temps, t'as pas fait le calcul, c'est si lâche navrant de la part d'Erel de t'avoir mis face à moi. Demande-toi quelle est la véritable carotte. Mais je répète, hein, je baisse le battle face cam et tout ce qui s'y apparente. Je comprends que l'initiative est charmante, mais sois sûr que pour un doyen, ça va attiser l'attention. Pour tous ces petits connards pas sûrs de trouver un nouveau moyen d'attirer l'attention, il a suffi d'un seul virus. I'm your god, donc si tu te prends pour cacarotte, dis-toi que tu verras jamais dans un linceul virus. Si je te bodybag stupide, sois pas surpris. T'enchaînes sans t'arrêter, beat sur van, van sur beat. Et encore, tu peux demander à Espy ou Lesco, sois déjà content d'avoir une chance de gagner parce que le battle est pas sur beat. Bah ouais, Madou, désolé, tu t'es trompé d'élu. J'écris un tout nouveau testament et tu peux tronquer ta vie pour une fiction. Mais je provoque la fin de ton monde et jamais tu trompes les déluges. T'avais des potes, t'as fini seul. J'avais personne, maintenant je suis en petite équipe. OLC, au fur et à mesure, tu t'y es cru. Cette ligne est crue, mais en live avec toi, Madou de souris, vous vous tapez des petits délires. Sauf qu'au RC Sud, quand t'as voulu venir lui parler, il t'a dit t'es qui? Bernard Henri Lévy, mais c'est qui de raciste à la page? Ça fait longtemps que JDM aurait dû te reprendre son titre volé d'MVP. Aujourd'hui ton déclin, j'y assiste à sa place. Bah ouais Madou, désolé, t'imagines pas le massacre. Aujourd'hui je détruis tout ce qu'un Renoir a construit comme un kid raciste à la plage. Je parlais du RC Sud, bah c'est simple, dis-toi que tu te voiles trop la face pour les indices voir. Au RC Sud j'étais sur scène, pas toi, fin de l'histoire. La scène tu veux en faire, mais ce qu'à chaque fois t'oublies c'est que t'as aucune aura, t'es grave pudique. Crois pas que ton heure de gloire gros tu l'auras. Tu t'es pas demandé pourquoi t'étais champion d'une ligue où y avait pas de public et tu lâches des fils de pute après tes times. Gros, un jour un adversaire va venir en DM te demander adresse ou. Et quand tu fais le warrior vénère, t'es aussi crédible que Schizo qui prononce le N-word. Bah ouais, mon vrai nom c'est Pablo, j'ai cette culture en moi comme masse d'autres. Je pique ton personnage de merde comme une poupée vaudou trouvée dans les chiottes de Bocor. Toi ton vrai nom c'est Sanson, alors shot de faux cop. Pour croire que j'ai volé ma victoire dans mon battle face au crapaud et que je suis pas le duc. Mais même si c'était vrai, l'histoire retiendrait juste que je suis le premier numéro, ça me fait un vice de plus. C'est un peu comme quand ta mère tapinait pour 20 euros une fois de plus. Elle voulait juste remplir le frigo, mais nous on retiendra juste que t'es un fils de pute. Et puis, pour jouer à la console, je suis venu chez toi sans gratter. Tu fais le mec qui se branle de ce match, mais t'étais tellement jamais chez toi pour gratter. Ta meuf me branle durant mes parties de ce match. Et puis, t'as rien d'un mec de la street parce que tu fumes terre sur terre. Tu pensais être le meilleur et qu'on passe tout notre temps à t'épiller. Mais le seul moyen que tu gardes les pieds sur terre serait que j'accroche la lourdeur de mes punchs à t'épiller. Je laisse ce mec blessé à laisser, plus besoin de le rabaisser. Je lui colle la fessée sans cesser, passer la frontière sans cesser. T'insultant quand la fessée, t'as rien d'un camé ni d'insultant. Ton camé t'as fait tant, ton gueumé t'as fait dedans. T'as remis tes cartons, on remet les cartons. Dans ce battle je t'enfile comme les points dans le dernier carton. Parce que ouais, dans le battle rap t'es un nain mec, moi un nain mec. Parce que tu me rends vert, mec. Tu fais le grossiste, mais tu payes piccolo pour boire des verres, mec. Je retourne tout ça et j'envoie 6 gros porter mon poids en verre, mec. J't'ai merveille, j't'ai cartel. Puis j't'envoie au pôle comme Verlem. Après ce battle, faut que t'arrêtes tout comme un con des d'Interpol dans un cartel. Gros, tu te fais sauter, on dirait la barrière du métro. J'esquive ta meuf la vache comme si j'étais un torero. J'étais à la station de lavage dans mon Alfa Romeo. J't'ai vu avec ta Juliette, mais t'es pas un mal alpha. Romeo, la seule fois que t'as serré une meuf comme une vis, c'est que t'étais Elvis, Romeo, j'ai pas besoin de changer de pays pour claquer des buts comme un Romelo, Lukaku, mes rimes font des trémolos, tout à coup, j'y vais pas trémolo, mais tout d'un coup, je t'arrache ta tête par le haut, je suis dans ton cou, et puis, je te le bois seulement si t'es bien frais, chacal, coca, je te mets mon poing dans la gueule, cocard, je suis violent, jambes, tu vois qu'à la guerre, cocard, ta mère, ta meuf et ta soeur ont cru mes bobards.
Tocard, tu te portes les stockages de toutes tes phases. Je vis des stockages, gros port, restockage. Tu fais tout le temps les mêmes phases. T'es dans le radotage. Après mes rounds, tu vois rien. C'est que t'es mort entre les pierres de ton sarcophage. Time! Vu que je sais que tu trouves mes lines et mes flips très cool, voici mon cadeau de Noël. Tes battles, c'est au moins une moitié de générique comme un film très court. La vérité, c'est que c'est grave faux. Je crois que depuis que t'as appris que t'as fondé Ice pour 2 mois, bah t'es tombé amoureux de moi. Mon phrase est trop cash, la vue de mes sapes trop classe et de mes cheveux bruns de beau gars du Caucase ont fait trembler, flancher tes guibolles. À Montpellier, c'était trop tard, tu m'observais déjà comme un fan qui regardait son idole. T'as employé des moyens secrets et indécents pour obtenir des infos sur moi parce que t'osais pas, tu disais non, c'est vilain, c'est méchant. T'as regardé mon interview en entier, t'as commenté intéressant. T'en as eu assez de toi, alors tu t'es pimp et t'as plusieurs fois envisager de te prostituer, mais tu es pas un PD1, hein, aussi tu l'es, parce que Sanson il est marseillais. Décidément, plus tu tentes quelque chose, plus tu te rates. Il y a eu très organisé, pourquoi tu viens tout gâcher pile au moment où Marseille était au plus haut dans la culture rap? Je détruis tes rêves et ça, c'est pas le manque de respect qu'un tu t'aurais pas. Tu serais venu me demander des infos directement, je te les aurais donné. Tu le sais, j'espère, ça s'appelle le fair play. Tu connais pas, t'es pas savant, tes effets de surprise être comme son as, ça me fend le cœur. Là, ça m'a juste donné envie de te casser en deux et de te retourner comme ton place d'avant. J'avoue, t'es pas gay, t'es bi. D'ailleurs, les filles t'ont brisé. T'as demandé des tips et des conseils. Tu sais pas si tu seras à l'heure assez à l'aise. Derrière tes airs de gars musclés, je suis sûr que t'achètes des bougies parfumées et que tu pleures après la baise. Tu peux m'accuser de recycler des lignes ou de remixer des rimes, mais c'est pas vrai. Je préfère juste mes bonnes reprises que tes textes à chier. D'ailleurs, j'ai un peu parlé à la va-vite. Quand t'as dit bonsoir à tous sauf à la manif, le mec s'est fâché. Puis s'est lâché sur Tagadji. Il a léché, bouffé sa chenille comme un steak haché. Et après ça, j'avoue, là je l'ai plagié. J'en place une dernière pour Atomix. Si ce petit privilégié de merde s'ennuie et est pas content de passer son réveillon sans blinis, débranchez-moi sa webcam, son clavier et ramenez-le-moi sur scène qu'on en finisse. Pour terminer, la ligue grandit, faut que je le dise qu'elle sache. Je baise le battle face cam, sauf quand il s'agit du Ganari ou de la kick and clash. Bon les gars, on y va, y'a rien à voir ici. Yo, chaque alcoolique pour juger Ice versus MCR. Premier, deuxième round, dans mon appréciation générale, c'était assez égal. Les deux gars, ils ont un style qui est bien propre à eux. Les deux gars, ils ont faim, ils ont des styles opposés aussi. C'était très intéressant comme clash de style. Les deux gars, ils ont des forces. Les deux gars, ils ont des faiblesses. En faisant l'addition des forces et faiblesses, pour moi, ça revenait vraiment égal. Je dirais que au troisième round, ça a été là que mon vote a penché assez facilement pour MC Rodka. À partir du moment où il y a eu la lourdeur de mes punches et accroché à tes pieds, ensuite il y a eu une passe de Flow Nice, ensuite il y a eu des métaphores, des jeux de mots, Interpol, la barrière de métro, l'Alfa Romeo, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont vraiment venues me chercher dans le style de public que je suis. Puis du côté de Ice, j'ai trouvé que les attaques perdaient un peu de force versus les deux premiers rounds. L'a accusé, par exemple, le fait qu'il cherche des références sur toi, pour moi, en tant qu'analyste derrière mon écran, je ne considère pas que c'est une attaque en tant que telle, parce que selon moi, c'est bien qu'il cherche des références sur toi. Ensuite, il y a un moment où c'est que tu avoues que tu as plagié quelqu'un. Donc, des trucs comme ça qui, pour moi, ont fait pencher la balance du côté de MC Rodka, mais c'est un battle que j'ai beaucoup aimé. Un petit commentaire constructif peut-être pour MCR. Le fait que ton téléphone était réellement placé devant toi au lieu d'être mis un peu de côté en cachette, ça bloquait réellement. Là, ça fait vraiment un écran entre toi et les gens qui écoutent. T'es pas obligé de connaître tous les textes par cœur, bien sûr, mais le simple fait de pas le mettre en plein centre de ton écran, ton téléphone, ça va beaucoup aider à l'appréciation de la personne qui te regarde, surtout sur des battles de 3 rounds complets. So, c'était mon truc. Peace. Big up aux deux. Ouais, les gars, c'est Kazuhira pour juger le battle de MC Rodka face à Ice Rain. Et ce battle est lourd. En fait, on fait face à une opposition de style. Pour moi, les qualités de l'un font les défauts de l'autre et inversement, en fait. Et pendant tout le battle, c'est juste une question d'opposition. Du coup, je pense qu'au niveau des jugements, ça va être juste au niveau de la préférence des juges, en fait. Mais bon, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que Rodka, il va ramener de la bars, il va ramener des jeux de mots, des doubles sens. Là où de l'autre côté, tu vas avoir Ice Rain qui va ramener une déconstruction qui va se faire sur le long terme, une déconstruction qui se fait sur les 3 rounds, quoi. Ça, c'est la première opposition. Là, il n'y a pas encore de souci. Le truc, c'est que la deuxième opposition, c'est que Rodka va ramener des rimes, de la multisyllabique, qui vont même jusqu'à l'homorime. Et ça, c'est super lourd à écouter, tu vois. Et dans ce cas-là, moi, je me dis, vas-y, si je chipote, je donne Rodka gagnant. Sauf que de l'autre côté,
Il y a Ice Ren qui est sur une putain d'écriture, tu vois, sur une écriture en fil rouge. C'est-à-dire qu'il va commencer son battle, il me semble, en disant je baise le battle face cam et tout ce qui s'ensuit. Et il va finir son troisième round par la conclusion des premières lines de son premier round, en fait. Et ce que je trouve énorme d'amener une conclusion, parce que je trouve que c'est assez négligé, en fait. Et la troisième opposition, c'est le charisme de Rodka, tu vois. Parce que Rodka, il a misé sur un peu le charisme, tu vois, l'aura, le coffre vocal, tu vois. Là où du côté de Ice Rain, du coup, il y en a moins. Mais il y a quelque chose qui le remplace, en fait, c'est son scénario. Parce qu'il est rentré dans un espèce de scénario horrifique en noir et blanc. Et putain, ça vaut le coup d'être noté, ça. Et ça vaut un point aussi. Du coup, les deux sont équivalents dans les domaines, dans leur domaine, en fait. Du coup, je me suis dit, vas-y, en vrai, je peux pas faire un jugement objectif. Sur ce battle-là, je vais être obligé d'être subjectif. Du coup, j'ai commencé vraiment à chipoter et à regarder les défauts, tu vois. Et malheureusement, il y a un gros défaut dans ce battle, c'est que Rodka, il lit son texte. Et je pense que je vais pas être le seul juge, du coup, à souligner ça. Mais voilà. Malheureusement, c'est éliminatoire alors que ça devrait pas l'être parce que là le battle est complètement fou. Mais à cause de ça, je vais donner Ice Rain gagnant. Et d'ailleurs, c'est fort dommage parce que subjectivement, j'aurais peut-être donné Rodka s'il avait pas lu son texte. Mais voilà, Ice Rain gagnant, c'était Kazuhira et paix sur vous, les gars.